Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le déroulement protocolaire de cette réunion du conseil municipal, qui est le même toutes les années. Ouverture de la réunion par monsieur le maire, c'est moi, précisant qu'il s'agit d'une réunion exceptionnelle. C'est effectivement une réunion exceptionnelle. Présentation de l'objet de la réunion, nomination du capitaine de ville, du major et du porte-enseigne 2024. Éloge du capitaine de ville 2024. Vote à main levée des conseillers municipaux. Déclaration officielle du résultat par monsieur le maire. Présentation au conseil municipal du nouveau capitaine de ville, du major et du porte-enseigne. Le capitaine de ville et son état-major saluent les conseillers municipaux. Je vous fais donc tout le programme. Parce que si jamais le Sépoune, éventuellement, il n'est plus très... D'accord. Okay. Monsieur le maire remet la tailleule au capitaine. J'ai bon toujours. L'ancien major remet la tailleule et le sabre de commandement au nouveau major. L'ancien porte-enseigne remet la tailleule au nouveau. Le président de l'association remet les écussons et les diplômes au nouveau promu. Discours du capitaine de ville. C'est prêt ? Magnifique. Remise des bouquets aux épouses ou compagnes ou compagnons. Ou pas. Vin d'honneur. Voilà. Alors... Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mon père, est-ce qu'il est là ? Est-ce que le... Bonjour mon père, excusez-moi, mais vous savez, c'est les misères de l'âge, sage les yeux. Chers bravadeurs et chers concitoyens présents en nombre ce soir, je suis heureux de procéder en ce jour à la nomination de notre nouveau capitaine de ville et de son état-major, qui auront l'honneur de conduire la 26e édition des bravades de la Saint-Maur. Comme vous le savez, ces trois journées toujours exceptionnelles auront lieu les 10, 11 et 12 mai prochains. Avant toute chose, je tiens à remercier et à féliciter sincèrement et au nom du Conseil, messieurs Christophe Rougemont, sur vos applaudissements. Julien Perruchini. Et Manuel Sérignac pour leur remarquable travail à la tête de la 25e édition des Bravades l'année dernière. Leur dévouement a grandement contribué au succès de cette célébration. Je rends également hommage aux membres de l'association et bravadeurs pour leur implication sans faille. Leur travail renforce les liens au sein de la population cogolinoise. Le capitaine de ville a, à mes yeux comme aux yeux de tous les cogolinois, excusez-moi, la fonction essentielle pour la commune de représenter et de pérenniser nos traditions et notre patrimoine culturel. Le successeur à ce poste, qui sera nommé dans quelques minutes, saura, j'en suis certain, apporter la même rigueur et la même passion que ses prédécesseurs dans ce rôle capital et répondre aux attentes de l'ensemble des membres de l'Association des Bravadeurs comme des citoyens de Cogolin. Je vous invite maintenant, chers membres du conseil municipal, à vous prononcer sur la proposition de notre Sépoune de nommer Christophe Girard capitaine de ville des Bravades 2024. J'ai pas fait l'appel. Donc effectivement, il faut que je fasse l'appel. Marc-Étienne Lansade, présent. Christiane Larda, présent. Audrey Troin, présent. Patrick Garnier, présent. Geoffrey Pécaud, présent. Sonia Brasseur, présent. Francis Laprade, Liliane Lauradour, a donné procuration à Franck Thierrier, excusez-moi. Jackie Klinger, présent. Patricia Penchena, présent. Erwan de Kersaint-Gilly, René Leviavant, présent. Daniel Sertier, présent. Elisabeth Kaya, Jean-Paul Morel, présent. Franck Thierrier, présent. Jean-Pascal Garnier, présent. Corinne Verneuil, Michael Rigaud a donné procuration à Patrick Garnier, Isabelle Broussa, à Christiane Narda, Florent Viers, Christelle Taxi, Audrey Michel, Olivier Courchet a donné procuration à Isabelle Farnerisseau, Mireille Escara, Patrick Hermier a donné procuration à Mireille Escara, Isabelle Farnerisseau, Katia Piette a donné procuration à Philippe Chillard, Bernadette Bouquet, Jean-François Berniguet m'a donné procuration, je crois, Julie Le Plaideur, Pierre Noury. Eh bien, je crois que maintenant l'appel a été fait, donc tout va bien. Et je vais donc pouvoir passer au vote
Donc, sur la proposition de notre CEPUN de nommer Christophe Girard capitaine de ville des Bravades 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous félicite. Monsieur Girard a choisi Sylvain Lorgue comme major. Attendez, on ne sait pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, alors là, effectivement, on peut vous réapplaudir. Monsieur Girard a choisi Camille Girard comme porte-enseigne. Ah, pardon, on se méfie maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? On peut vous applaudir. Je déclare donc Christophe Girard, capitaine de ville des Bravades 2024, Sylvain Lorgue, son major, et Camille Girard, son porte-enseigne. Merci à vous tous et de très belles bravades. Par Monsieur le maire. Le nouveau porte-enseigne par l'ancien maire, l'ancien porte-enseigne. Et le sabre de commandement au nouveau major. Remise des écussons au nouveau promu par le président de l'association et le CEPUN.
Alors, la première chose que je vais dire, c'est que moi qui voulais une bravade conviviale, avouez que ça commence par un apéro. C'est quand même pas mal. Alors, Camille me dira encore que j'étais trop long. Mais bon, comme elle ne voulait pas parler ce soir, du coup, j'ai pris sur son temps de parole. Donc, si je suis trop long, c'est de sa faute. Alors, si le 20 mars, j'ai fait un discours assez personnel, merci. Ce soir, je vais aborder le sujet sur un plan un peu plus général. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil, monsieur le curé, cher Sepoun, cher président, chers amis bravadeurs, chers tous. Je remercie l'ensemble du conseil municipal qui, encore une fois cette année, a voté à l'unanimité pour le choix du capitaine de ville de nos bravades proposé par Robert Cérezola, notre Sepoun, et validé mon choix de Camille et de Sylvain pour mon état-major. Ce vote, je le répète, accepté à l'unanimité en conseil municipal, démontre bien une chose, c'est que notre bravade arrive chaque année à fédérer tout le monde, sans exception. Oui, notre bravade fédère. Elle fédère toutes les générations. Et quel plaisir de voir la relève avec tous ces jeunes qui, chaque année, rejoignent dans les rangs nos anciens. Ils nous laissent espérer la continuité de nos belles traditions locales et de notre patrimoine culturel cogolinois. Elle fédère toutes les classes sociales. Oui, parmi nous, il y a des entrepreneurs, des ouvriers, des commerçants, des artisans, des ingénieurs, des cuisiniers, des retraités, des étudiants. Même si nous sommes tous un peu chauvins et nous aimons tous critiquer un peu ce qui se passe sous les clochers voisins, elle fédère aussi notre rapprochement et nos liens amicaux avec les communes voisines qui viennent nous voir défiler. Peut-être pour critiquer ou comparer parfois, mais on s'en moque, de toute façon on fait pareil. C'est aussi pour cela que notre tenue à tous et notre comportement dans les rangs durant ces 3 jours contribuent avec importance au développement de la notoriété de notre bravade. Nous le devons à nous-mêmes, à tous les Cogolinois très attachés à ce rendez-vous, mais aussi à toutes les personnes extérieures qui, au fil des années, nous suivent de plus en plus nombreuses. Oui, nos traditions communes nous rapprochent. Quel plaisir de recevoir nos amis de Barjols et même d'Italie qui viennent renforcer notre musique et prendre part avec la même ferveur que la nôtre à la réussite de cette belle fête. Un grand merci à eux. Ils ne sont pas là, mais on a une pensée pour eux. Oui, notre bravade fédère. Elle fédère tous les bravadeurs de tous bords, de toutes confessions, à une seule et même famille, à une seule et même union pour notre village et pour notre Saint-Maur. Pour nous amuser et partager ces moments de convivialité si importants avec les gens qu'on aime. Comme je l'ai dit lors de ma présentation le 20 mars, c'est aussi le plaisir de retrouver certaines personnes que l'on ne voit que durant la bravade. Parce que nos vies, notre travail, nos impératifs font que parfois, on ne se croise pas le reste de l'année. Alors faire la fête, oui, mais pas que. La fête de la Saint-Maur, c'est aussi une fête patronale. J'ai d'ailleurs recherché la définition et la différence entre fête votive et fête patronale sur le petit Robert. Alors comme Robert est là, justement, il me dira si j'ai tout bon. Une fête votive, également appelée fête patronale, est aussi une fête qu'organise un village en hommage à son saint patron. L'origine de la fête votive, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, l'origine de la fête votive est religieuse et provient du Languedoc et de la Provence. Une fête religieuse aussi. Alors bien entendu, si monsieur le curé n'arrive pas à faire de nous, de certains d'entre nous, des chrétiens irréprochables, je ne vais pas tenter, moi, de vous y forcer. Mais je vous demanderai tout au moins de respecter ces moments solennels lors de la procession et de la messe rendue en hommage à notre saint patron. En faisant la démarche de rentrer dans la bravade, je pense que chaque bravadeur est tenu de prendre le package dans son intégralité, y compris ces moments de recueillement et solennel à l'honneur de Saint-Maur, qui est, ne l'oublions surtout pas, celui qui nous réunit durant ces 3 jours. Je vous disais que nos bravades fédéraient, y compris toute confession. Un jour, un fervent bravadeur et ami d'une commune voisine m'a posé une question. Comment toi, qui es protestant, qui adore seul Dieu sans intercession d'aucun saint que ce soit, tu peux adorer Saint-Maur pour les bravades? Explique-moi un peu.
Alors je lui ai répondu simplement. Ces morts et tous les saints ne sont-ils pas des hommes et des femmes qui ont voué leur vie à Dieu ? Certains allaient même jusqu'à donner leur vie en sacrifice pour Dieu. Eh bien, je ne les adore pas, non ? Mais qu'est-ce qui m'empêche de les honorer avec un grand H ? Il m'a répondu oui, tu as raison. C'est pas fini. Comme quoi tout est possible. Si la roue de l'Église n'est pas pour certains d'entre nous une destination favorite sur nos GPS, honorez au moins celui qui nous réunit durant ces 3 jours. Culture et tradition provençale ne sont-elles pas, qu'on le veuille ou non, indissociables à la religion. Il y a toujours un saint quelque part dans nos fêtes provençales. Saint-Maur, les feux de la Saint-Jean, la Saint-Pierre pour les pêcheurs, la Saint-Hubert pour les chasseurs, et j'en passe. Et puis, sans transition, je voudrais avoir un petit mot pour mon corps de bravade, mis à l'honneur cette année avec Sylvain comme major et moi comme capitaine, pour conduire ces bravades 2024. Nous savons tous que les carabiniers sont capables du meilleur, comme du meilleur. Et je compte sur vous, je sais cette année que vous allez nous le prouver et nous donner le meilleur. Pour moi, pour Sylvain, pour nous tous, parce que vous êtes les meilleurs. Et Claude, il me regarde bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier aux chasseurs. N'oublions pas que ce sont eux, en 1997, qui ont fait renaître nos bravades. Je citerai 3 noms. Les 3 premiers capitaines de ville. Bien sûr, Maurice Thillot, le premier nom brodé sur notre enseigne. Notre regretté Momon Colomb. Et Patrick Patacchini, aujourd'hui président de la Société de chasse de Cogolin. Pour finir sur quelque chose de plus personnel, c'est un immense honneur pour moi de conduire les bravades 2024 aux côtés de ma fille Camille et de Sylvain que je vous ai présenté le 20 mars. Si le choix était une évidence, ce n'était pas pour autant sans un certain doute pour moi quant à leur acceptation de me seconder. Lorsque j'ai demandé à Camille de bien vouloir être ma porte-enseigne, connaissant son attachement à la clique, comment pouvait-il en être autrement, la plus belle de tout le golfe, et jalousée par tous, vous vous souvenez, le petit côté chauvin ? Son plaisir de jouer du fifre et son impatience de retrouver tous ses amis pour partager ces moments si exceptionnels et particuliers que nous font vivre nos bravades. Allait-elle accepter ? En plus, cette année, pour son anniversaire, Sylvain lui a offert un fifre et lui tardait de pouvoir s'en servir. Alors, désolé Camille. Finalement, elle n'a pas hésité une seconde, faisant de moi un capitaine et surtout un papa comblé. Et surtout, qu'elle se rassure, il est hors de question que sa place dans l'état-major et ses obligations la privent de partager ses moments privilégiés avec tous ses amis. Lorsque j'ai choisi Sylvain pour être mon major, j'étais encore moins sûr qu'il allait accepter, ne voulant pas le mettre à l'amende, le pénaliser, pensant au moment venu où son père ou son frère seront à leur tour choisis comme capitaine et faire de lui, bien sûr, un membre de leur état-major. Bien évidemment, c'était la condition sine qua non que j'ai demandé à Robert et qui m'a garanti. Merci pour eux, Robert. Malgré mes craintes, Sylvain a accepté sans hésiter lui non plus. Et je l'en remercie encore 1000 fois. Et je sais qu'il va prendre sa tâche avec cœur et être un très bon major. Désolé, Sylvain, pour te mettre ce soir encore un peu plus la pression. En ce qui concerne l'après-bravade, depuis quelques années déjà, sous l'impulsion de notre Sépoun et de notre président, la municipalité de Cogolin implique lors de diverses manifestations le capitaine de ville et son état-major à la vie collective, sociale et culturelle de notre village. Nous devons nous en réjouir tous. Cette reconnaissance, plaçant le capitaine de ville comme une autorité reconnue, permet de faire vivre notre bravade tout au long de l'année, de faire parler d'elle et de lui donner un peu plus d'importance que seulement le deuxième week-end de mai. Et non, contrairement à ce que voudraient faire croire à certaines rumeurs qui peuvent malheureusement parfois circuler sur les réseaux sociaux, tenir ce rôle ou même remercier la municipalité et M. le maire pour leur soutien moral, matériel, technique et financier,
sans qui nous ne pourrions réussir notre belle bravade, n'enlève à rien la neutralité de notre association. Et par pitié, laissons notre bravade en dehors de toute prise de position sur lesquelles elle n'a pas à se prononcer. À ce titre, je compte bien prendre mon rôle avec sérieux et en toute neutralité représenter l'ensemble des bravadeurs et porter haut et fort les couleurs de notre belle bravade et de notre beau village. Merci à tous. Je sais encore que je peux compter sur vous tous pour m'aider à conduire au mieux ces bravades et que je peux compter sur la bienveillance de mes prédécesseurs et amis. En conclusion, je voudrais que l'on retienne ces trois mots pour qualifier ces 26e bravades que je vais avoir l'honneur de conduire. Fédératrice, conviviale et respectueuse. Vive Cogolin et vive nos bravades. Mes félicitations. Je vous souhaite, je nous souhaite une très belle 26e édition des Bravades. Et il ne me reste plus qu'à vous inviter tous, sauf Oriane Jouveau qui est punie évidemment, à venir partager le verre de l'amitié. Merci à vous, très bonne soirée et rendez-vous le 10 mai. Merci.